What the heck? Ouais, c'est mort. C'est mort. Putain, mais je vais où? Je suis où? Putain. Il y a trop de portes, de couloirs. Où cet ascenseur? Attends, il y a encore une porte à côté. Putain. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres. Élevé pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Liara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Liara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille. Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme. Ok, on va prendre cher. Et j'ai pas sauvegardé juste avant. Dans la merde. Ah, évidemment, ils m'ont mis dos à elle. Oh, j'appuie sur espace là, tu vois. C'est pas le moment de te mettre au snipe, mon petit père. Allez hop. Putain, mais t'es sérieux? Ah d'accord. Très bien. Ça va être ça jusqu'au bout. Putain. Mais on sert à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sortez les petits culs! Ah putain, je me fais défonce. Waouh.
C'est quoi qui me reste là? C'est juste Benezia. Ok. Ok. Ok, je lui fais rien du tout. Je lui fais rien du tout. Je la touche pas, les gars, je la touche pas, je peux rien faire. Le problème, c'est que si j'avance, je m'expose en fait, donc. Putain, il y en avait un autre derrière. T'es sérieux, il y en a encore? Mais ils sont morts, mes potes. Bon bah... Allez, tue-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah pardon, Garrus, excuse-moi. Garrus, c'est notre dernière chance. Non, elle s'en bat juste complètement les couilles de moi en fait. Ouais, je peux juste pas l'attaquer. Bah Garrus reste au snipe hein, et puis on va courir. J'ai pris cher. J'ai plus de médikits. T'es sérieux? Mais ils sont combien, Théma? Ouais, ok. Pour exploser. Arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le ferais-je? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Ok. Écoutez attentivement.
Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Vous pourriez donc m'attaquer à nouveau. C'est possible. Mais ce ne serait pas de mon plein gré, Shepard. Ah. Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. Je suis méchant, mais je suis pas méchant. À l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauve-règne, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire. Sauve-règne n'est pas comme les autres vaisseaux. D'où vient-il ? Je n'en sais rien. Ce ne sont pas les Geths qui l'ont construit. Il est bien plus évolué que toute autre technologie connue. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique Mu, perdu. Je me disais aussi qu'elle avait pas choisi sa tenue toute seule. Comment peut-on perdre quelque chose de si gros ? Il y a 4000 ans de cela, une étoile toute proche est devenue une supernova. L'onde de choc a propulsé le relais en dehors de son système, sans toutefois l'endommager. Son vecteur et sa vitesse sont impossibles à déterminer avec précision. Les millénaires passant, le rémanent de supernova a enveloppé... Quand j'étais dans son vaisseau, sa reine m'a obligé à porter des vêtements nouveaux. Un objet froid dans l'espace interstellaire. Surtout s'il est entouré de radiation et de poussière en fusion. Quelqu'un de Noveria l'a trouvé ? Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais j'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite ? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez retrouver mes tétons disparus. Mère, ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Lyra. À votre tour. Garrus. Voilà. Répare mon bouclier, toi. Vous de l'arrêter, Shepard. Attendez, on a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Elle a la tête qui part dans tous les sens. Mère ! Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai. L'aurore.
Mais oui, c'est clair. Des lumières. On dit toujours qu'il y a... Tu veux qu'on te tue? On peut te tuer, hein. T'es morte? Est-ce qu'elle est morte? J'ai tué la mère de Lyra? Oui? Non? Nous sort dans le prochain épisode. Lol. Ok. Sortir. Sortir d'une cinématique. Retourner dans une cinématique. What? 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 Je veux ramasser le Medigel, putain. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant? Qu'est-ce que vous racontez? Votre façon de communiquer est étrange. Sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Elle l'utilise. Nous parlons de tous nos sens. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes. Pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rachni. C'est vous qui avez ordonné de tuer l'équipe de scientifiques? Non. Nous étions enfermés ici. Les enfants sont hors de portée de nos chants. Ils sont perdus dans le silence. Ok, t'as la voix de Galadriel en fait. Vous n'êtes pas en harmonie pas tout à fait. Avec ceux qui voudraient vous contrôler. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? Les Rachni étaient une menace pour la galaxie. J'imagine que ces réservoirs remplis d'acide sont là par précaution. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté aux Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Non, je veux un allié de plus. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau. Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Ok, mais tu laisses la galaxie tranquille alors. Tu veux pas devenir mon nouveau poney? Tu veux pas devenir mon nouveau poney, petite bébête?